Previously in Les Chroniques de Redwood. Tranquillement installé sur son île, Paul fait face depuis plusieurs décennies à des attaques multiples par un homme qu'il ne connaît pas, qui laisse des messages qui l'emmènent directement vers des temples mystérieux, qui le ramènent vers d'autres temples mystérieux, qui le ramènent vers d'autres temples mystérieux, qui le ramènent vers d'autres temples mystérieux. Ce cirque commence à énerver Paul et il décidera plus tard de détruire Internet. Seulement les messages continuent et il ne sait pas de qui ils proviennent. Pourquoi ? Comment ? Bienvenue dans l'épisode final des Chroniques de Redwood. Malgré toutes les constructions que j'ai faites, malgré toute cette ville, ce paysage reste magnifique. Il reste intact malgré tout ce que j'ai pu créer. Du coup, je vais placer des bulldozers là, je vais créer une route ici, et puis pourquoi pas une villa secondaire, bah oui, pourquoi pas, après tout, je suis pas assez riche, qu'est-ce qui se passe, waouh, ça tremble. Pourquoi ça tremble, c'est pas censé trembler. Ok, ça se calme. Tu t'es calmé? Tremblement de terre. C'est bien la première fois que ça arrive, ce genre de choses. Bon, heureusement que ça a pas duré trop longtemps, ça aurait pu casser la terrasse sur laquelle je suis. Ouah, putain de... What the fuck, qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Ma maison? Où est ma maison? Ma maison vient de disparaître sous mes yeux! Ça n'a aucun sens! Tu sais où est la maison, toi? Tu sais! J'ai perdu ma maison! Elle est perdue! Je vais m'en aller, je n'ai plus rien à faire ici, puisque ma maison a disparu sous mes yeux sans que je sache pourquoi! Oh merde! Ce paysage va me manquer. J'ai vécu tellement d'aventures dans ces plaines, telles que la mystérieuse disparition de ma maison. Ma maison qui a disparu sans que je ne sache pourquoi. Ça n'a aucun sens. Ah, et puis merde. Toujours rien en vue. Ça fait plusieurs heures que je cherche et je trouve toujours rien. Y'a pas un fichu endroit ou quelque chose à faire. Tiens, c'est quoi ça là-bas? Ouais, mais c'est à moi ça. Ce serait pas mon temple? Ouais, c'est mon temple, mais... Attendez, il est en train de fondre. Mais il est pas censé fondre. Ça va péter un moment si ça continue de fondre. Bon, allons jeter un coup d'œil. Ah putain, c'est n'importe quoi. D'abord ma maison, et ensuite le temple. Ça se trouve, c'est le monde entier qui est en train de s'effondrer. Bon, du coup, il va falloir que je repasse à l'intérieur. C'est génial, j'attendais que ça. Bon, voilà, j'ai une petite torche. On va pouvoir explorer un peu tout ça.
Echo. C'est marrant. Tiens, une salle complètement vide. Attendez. Attendez, où est la porte? Ça s'est fermé derrière moi. C'est quoi ce bordel? Oh non, ça je le sens mal. Oh putain, ma torche. Ah, je vais remonter par là. Putain, je suis où là encore? C'est reparti pour me perdre dans toutes ces salles. C'est n'importe quoi. Oh merde. Le temple est en train de s'inonder de partout. Je suis dans la merde, moi. Je suis dans la merde. Oh, ça monte de plus en plus. Ça va bien que trop vite. Dans quoi je me suis fourré encore? J'aurais pu rester chez moi, mais non, il fallait que j'aille encore quelque part d'autre pour me faire tuer. Je vais être obligé de plonger, je crois. Putain, j'espère qu'il n'y aura pas une trop longue apnée à un moment, parce que sinon... Allez, allez. Merde, c'est trop. Ah, encore de l'eau. Ah, mais c'est pas vrai. Oh, je vais jamais pouvoir m'en sortir. Ah bon, allez, j'espère que cette fois, je m'en sortirai vivant. C'est parti! Oh putain, j'en peux plus. Oui, il est sorti. On va pouvoir voir l'ampleur des dégâts. Oh merde. Je vais jamais m'en sortir, moi. Les murs vont péter. Bonjour, Paul. Mais qui êtes-vous? Le mec qui a frappé à ta porte. Le mec qui a écrit les messages. Pourquoi? Sache que beaucoup de questions resteront sans réponse. Telles que pourquoi? Écoutez, je sais pas ce qui se passe dans ce monde de chiottes, mais je veux juste retrouver ma maison, moi. Je suis au regret de t'annoncer que c'est impossible. Quoi? Mais vous pouvez voler, vous pouvez bien faire repopper ma maison. Regarde autour de toi, Paul. Le monde de Redwood s'effondre peu à peu. Cette zone sera d'ailleurs immergée sous des litres d'eau dans quelques instants. Vous êtes en train de me dire que tout ce qui a été créé disparaît? Tout emporté dans l'oubli. Nous sommes d'ailleurs ici présents dans le dernier bastion du grand royaume qu'on appelait autrefois Humanité. Bon, machin, finis tes poésies à la con, comment on fait pour réparer ça? C'est impossible. Donc on va mourir. Tu ne m'écoutes pas? J'ai dit que c'était la fin de ce monde. Y en a d'autres? Bien entendu. Et vous me dites ça comme si c'était une évidence. Paul, tu es le dernier humain, et tu seras le dernier à voir ce monde. Tu verras la beauté et la cruauté de la fin. Mais si tu y crois, ce ne sera que le début d'un nouveau voyage. Elle me paraît un peu trop gentille de votre histoire. Mais je suppose que j'ai pas le choix. Paul, une grande destinée t'attend, et je suis sûr que nous nous recroiserons. L'univers est petit. Il est surtout en train de mourir. Machin? Mince, j'ai dû le vexer. Oh là 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 là, ça retremble. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Merde. Calme-toi. C'est pas bon du tout pour moi, ça. Mais vraiment pas bon du tout. Ok, c'est calmé. Putain, ça va péter, c'est pas possible. Et dans ces cas-là, y a pas un truc du genre consigne de sécurité, appuyez sur ce bouton et vous resterez en vie, je sais pas. Oh là 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 là. Ok, bon, y a pas de bouton, va falloir faire autrement. J'ai pas de masque à gaz. Ok, bon. Prends la respiration. Ah, j'adore les bains matinaux, surtout dans cette piscine privée. Salut Poulpe. Oh tiens, vous êtes là. Alors, le trailer vous a plu? Je viens de dire le trailer de quoi? T'étais sous l'eau, t'étais en panique? Et c'était vrai que j'ai respawn ici, dans une formidable communauté pleine de gens sympathiques, tels des canards, des mecs fans de chiens, ou encore des belges, hein, des espèces toutes aussi exotiques les unes des autres. On s'est regroupés, on commence à faire une ville. Si vous voulez, je pourrais vous filmer ça. Et du coup, je me suis dit, attendez...
On va faire un trailer qui pète. Du coup, oui, vous venez voir un trailer. Ah, c'était cool. Ça m'a pas pris de temps du tout à faire. Bon, du coup, ce que je vous propose, c'est que comme c'est un trailer, je vous propose d'attendre, parce qu'en fait, il n'y a pas de date. Il y aura probablement jamais de date, mais un jour arrivera les événements formidables et formidables de cette fantastique aventure dans ce nouveau Redwood, dans cette nouvelle maison. De nouvelles énigmes, des nouvelles constructions, des nouveaux gens. Ça va être fantastique. Je vous convie donc dans cette magnifique villa très prochainement. Redwood 4, pour bientôt. Nouveau logo, OKLM. Allez, salut !